want when I want it. More time, I don't even want it, to be honest. To you, my life like a movie on you. But to me, it's just another day at the office. Put my mum on the cover of a GQ. You can't relate, cause there's something on GQ. Cut through, I'm bobbing and weaving. No one likes a f***, I'm being your feelings. 10 o'clock, on the dot. Pull up in a new something from the lot. I think I'm being low-key when I'm stepping in. But I'm little sis, I forgot. Tell them don't be on me looking for it. Push me, I'm a ghost, saying no, I'm saying. Don't get me irate, ain't no fucking God's plan. Everybody bleeds red, so I feel no more. Nous voici celui dont tout le monde parle aujourd'hui. Il reste sur 3 buts inscrits lors de son dernier match et il n'a pas envie de s'arrêter là. On marque une petite pause et on revient tout de suite sur eSports. Salut tout le monde, ravi de vous accueillir ici à St James Park sous la pluie pour commenter. Eh bien c'est moi depuis un petit moment déjà. Allez ma touche, je vais faire ce que je peux pour pas trop vous agacer. Aujourd'hui, on va braquer les projecteurs sur la première ligue anglaise. Newcastle United face à Manchester United. Allez, ça va être sympa ce match, j'en suis sûr. Titulaire pour Newcastle aujourd'hui. Allons-y. Dans les buts, Martin Dubravka. Milan Skriniar en défense avec Jamal Lascelles. Et devant, ce sont deux joueurs que l'entraîneur a choisi d'aligner. On connaît la marque de fabrique de cette équipe. Elle va aller presser, aller chercher très haut l'adversaire. D'envoi à l'instant. Ils sont à la récupération. Antonio. Attention, ça peut faire but. Le ballon est bien sorti, ce sera un corner. On cherche une solution. Et l'ouverture du score. Le premier but dans cette partie qui commence très bien. C'est magnifiquement joué. On voit le ralenti. Là, il fallait mettre ce ballon au ras du sol, tout en précision.
C'est donc l'ouverture du score, 1-0. Nabil Fekir. Nabil Fekir. Des nouvelles de Manchester, on va aller tout de suite à l'Etihad Stadium. Est-ce qu'il y a eu un but? Oui, il s'agit du premier but en faveur de Leicester. Un but à zéro donc, après seulement 9 minutes de jeu, Hervé. Merci à vous. La Sels. Ah non, le ballon est perdu. Fekir. Oh, la barre, attention, c'est pas fini. Ouais, défenseur qui enraye cette action. Maximin. Oh, il est passé. Ils sont dans la surface. Allez, le ballon qui est dégagé. Il prend sa chance. Ah non, manque de précision sur ce tir non cadré. Il va y avoir un changement. Cristiano Ronaldo. Luke Shaw. Une jolie séquence de passes pour Manchester United. Ronaldo. Allez, ils peuvent égaliser là. Oh, quel dommage sur le montant. Ah, un petit peu de manque de sang-froid, il fallait la placer ailleurs. Antonio. Alan Saint-Maximin. Oh, ce sera un pénalty. Oh, pénalty. Joueur qui ne tremble pas face au gardien. On met le ralenti, ce pénalty, contre-pied parfait. Et nous voici donc avec deux buts d'avance, 2-0. Excellent tacle qui lui permet de récupérer cette balle. L'équipe qui a pris la main mise sur le ballon, par hasard, hein, si l'équipe mène au score. Dès que le ballon arrive à 30 mètres du but adverse, on sent qu'ils sont capables de faire la différence. Manchester United à l'attaque. Nicolò Barella. Saint-Maximin. Antonio. La passe est interceptée. Il progresse. Allez, le but de l'espoir peut-être. Et voici un petit but de l'égalisation. Tout n'est pas perdu pour eux. On
ce but. C'est quand même un petit peu problématique hein, quand le gardien prend comme ça au premier poteau. Un petit but d'avance donc, le score est de 2 buts à 1. Avec Karsdorp. Nicolo Barella. Sean Longstaff. Lascelles. Renato Sanchez. Et parce qu'il se succède en espérant trouver la faille. Place là pour une contre-attaque et on tarde à revenir défendre. Attention, Alan Saint-Maxima. Ouais, c'est bien centré parce qu'il y a du monde. Ah, quelle reprise de la tête! Timing parfait. Sanchez. Les images de la contre-attaque et la reprise de la tête sans même sauter qui finit au fond des filets. Le réalisateur qui nous remontre ce but. Le score, vous le voyez, ça fait 3-1. Donny Van de Beek, Cristiano. Et Cristiano Ronaldo qui cherche à prendre ce ballon. Oh, très bien défendu. Pourquoi pas une contre-attaque avec ce ballon? Oh, il va filer au but. Ouais, c'est pas fini encore. Oh, but! Le gardien qui est complètement parti à l'aventure. On voit ces images. J'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre ce qui s'est passé défensivement. Ouais, étrange. Le match est déjà plié à la mi-temps, hein. C'est mieux plié que dans une armoire. Terminé. Cristiano Ronaldo. Voilà, c'est la mi-temps. 4 buts à 1. C'est peut-être pas complètement perdu, mais enfin, ça commence quand même à faire pas mal. Début de la seconde période.
avec un Manchester United qui est mal en point au tableau d'affichage. Wan-Bissaka, McTominay, Victor Nilsson, Lindelof. On suit bien sûr ce qui se passe à Birmingham et je crois qu'il y a eu un but à Villa Park. Oui, deuxième but à l'instant en faveur d'Aston Villa. On en est donc à 2-1 alors qu'on joue maintenant depuis 46 minutes. Parfait, merci pour ce point rapide. Diallo. Nabil Fekir. Encore Nabil Fekir. eSports nous permettra de suivre un match de Première Ligue avec cette rencontre. Newcastle accueillera... Attention, l'occasion pour Cristiano Ronaldo. Magnifique, le gardien, il a pris la bonne décision sur cette passe en profondeur. Bonne intervention parfaite, bonne anticipation. Mais non, trop appuyé cette passe. Et le gardien qui est sur ce ballon. Colo Barrea. La Sels. Sean Longstaff. Antonio. Le bon ballon en profondeur. Lindelof qui dégage. Le ballon qui sort. Il y a un changement avec deux joueurs de United qui s'apprêtent à faire leur entrée en même temps. Manel Kimpembe. Antonio. Renato Sanchez. Oh, c'est bien donné en profondeur. Oui, attention. Oh, l'arrêt incroyable. Superbe parade. Quelle présence. C'est allé à toute vitesse. Il n'a pas cherché vraiment le point de pénalty sur ce corner. Nabil Fekir. Il s'est fiché sur votre écran. Le programme avec ce match qui a lieu tout à l'heure et qui fait très envie, si vous avez l'habitude de nous regarder, c'est que vous aimez ce genre de confrontation. Allez, Ronaldo, il peut marquer sur ce ballon. Gonzalez. Allez, peut-être l'occasion de placer une contre-attaque. Ah, c'est un peu précipité là. Le remplaçant qui se prépare à entrer, mais à la place de qui? Et on me dit qu'il y a eu un but à Villa Park. Ça joue à Birmingham? Et oui, c'est le troisième but pour Aston Villa, ce qui porte maintenant le score à 3-1, alors que le match a débuté il y a 68 minutes exactement. Merci à vous. En profondeur, oui, bien vu. Sans danger pour l'adversaire. Ah, il aurait dû retarder son appel. Wan-Bissaka, Victor Nilsson, Lindelof. Alors que nous entrons maintenant dans les 20 dernières minutes de cette partie. Bruno Fernandes. La passe interceptée par Skriniar. Jadon Sancho. Et le gardien qui remporte son duel. Manel Kimpembe. Sean Longstaff. Rijkaardsdorp. Renato Sanchez. C'est une sorte de passe à 10 en ce moment. Oh, on tacle. Greenwood.
Manchester United sur le côté. Attention, c'est assez libre, ça peut faire mal. Alors qu'on entre dans les 10 dernières minutes de cette rencontre. Greenwood. McTominay. Donny van de Beek. Magnifique parade, mais ce sera tout pour les photographes parce qu'il y avait hors-jeu au départ de l'action. Nicolò Barella. Il y a un petit peu de champ devant lui, là, Saint-Maximin. Allez, il peut y aller. Oh, il était là, excellente intervention. Donny van de Beek. Avec Bruno Fernandes. Sancho. Bruno Fernandes. Oh, Bruno Fernandes. Et c'est un but pour Man United. Alors, ouais, le joueur là qui élimine d'abord le défenseur qui lui barrait la route. Et le buteur qui va au bout de son action malgré un bon retour de la défense. Il mène à présent 4 buts à 2. On a vraiment droit à du spectacle. Bonne anticipation sur cette interception. Sancho. Et un joli boulevard qui s'ouvre pour Manchester United. Le centre à destination de ses partenaires. Oh, mauvaise relance. Voilà, c'est